Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, bien-aimés de Dieu. Je te salue dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous bénissons le Seigneur en ce jour où il renouvelle encore toutes choses. En ce jour où il renouvelle la paix, la joie, l'amour. En ce jour où il nous donne encore le don de la vie. Seigneur, sois glorifié. Sois magnifié pour ta présence. Pour ta présence vivante et sainte dans nos vies de tous les jours. Alors bien-aimés, l'Église aujourd'hui nous parle en ces termes. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription. Ô Dieu inconnu. Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent, lui en qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi, l'ont également dit certains de vos poètes. Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre, sculpté par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. Amen. Bien-aimés de Dieu, Paul aujourd'hui nous parle des Athéniens. Dans son parcours pour l'évangélisation, quand Paul est arrivé à Athènes, il a vu, comme la parole l'a dit, que les Athéniens étaient religieux. Et donc tous les dieux qu'ils vénéraient, ils faisaient des représentations. Et ils inscrivaient le nom de ce dieu-là sous la représentation. Mais il s'est trouvé qu'il y avait une représentation dont il ne connaissait pas le nom. Et Jésus nous a révélé ce Dieu-là qu'il adorait sans le connaître. Et c'est ce que Paul est venu leur révéler par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés de Dieu, bien des fois nous suivons le Seigneur sans le connaître. Nous suivons le Seigneur tel que nous l'entendons. Il y a certaines qui sont attachées à leur tradition et ils pensent que Dieu est là-dedans. Alors qu'ils ne savent pas qu'il n'est pas là-bas. Et bien des fois, nous associons beaucoup de choses qui ne font pas partie de ce que Dieu aime. Et nous méconnaissons ce qu'il veut et ce qu'il attend de nous.
Mais ce matin, nous voulons revenir à Dieu. Et nous voulons qu'il nous inspire encore par la puissance du Saint-Esprit. En ces temps où l'Église rappelle à tous les fidèles que le Saint-Esprit est là et que c'est lui qui est le mouvement et l'être et que c'est lui qui nous aide à percer les mystères de Dieu et que c'est lui qui vient et qui nous conduit dans la vérité tout entière et c'est ce que Christ nous a révélé. Nous voulons simplement nous humilier devant le Seigneur et lui demander pardon. Pardon parce que nous l'avons adoré sans le connaître. Et par nos pratiques de tous les jours, nous l'offensons. C'est pourquoi nous nous humilions devant toi, Seigneur, ce matin, pour te demander pardon. Pardon pour l'ignorance. Pardon pour l'ignorance. Pardon pour la place qu'on ne donne pas au Saint-Esprit, alors que nous sommes sous l'air du Saint-Esprit. Pardon pour cette ignorance. Je ne sais pas t'aimer, Seigneur, apprends-moi. Je ne sais pas te reconnaître, Seigneur, apprends-moi. Je ne sais pas te parler, Seigneur, apprends-moi. Je ne sais pas ta volonté, Seigneur, apprends-moi. Je ne sais pas qui tu es, Seigneur, apprends-moi. Je ne sais pas ce que tu attends de moi, Seigneur, apprends-moi. Je ne sais pas t'aimer, Seigneur, apprends-moi. Je ne sais pas t'honorer, Seigneur, apprends-moi. Seigneur, apprends-moi, tu es un saint, tu es un saint, saint. Tu es un saint, saint. Tu es un Jésus, tu es un. Seigneur, tu es saint. Tu es saint, Seigneur Jésus. Seigneur, Jésus, nous n'avons pas connu le Père, mais à travers toi, nous l'avons connu. Et Jésus, tu es parti en nous laissant le Saint-Esprit, afin qu'il nous apprenne et qu'il nous enseigne qui est le Père. Afin qu'il nous enseigne qui tu es et ce que tu veux, ce que tu attends de nous. Tu es saint et tu veux que nous aussi nous soyons saints. Parce que c'est comme ça que nous allons plaire au Père. Ô Saint-Esprit, aide-nous à nous sanctifier jour pour jour dans la méditation de la parole de Dieu. Dans la connaissance de la parole de Dieu. Tu es saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint.
Merci Saint-Esprit. Merci pour la grâce du pardon. Et merci de ce que tu ouvres notre intelligence à la connaissance de Dieu. Merci de ce que tu ouvres notre intelligence aux choses de Dieu. À ce que Dieu attend de nous. Merci Seigneur Esprit Saint. Bien-aimé de Dieu, que le Seigneur te bénisse et qu'il te remplisse de son Esprit Saint et que chaque jour davantage, il te fasse connaître cette troisième personne de la Sainte Trinité. Que le Saint-Esprit t'accompagne cette journée et qu'il te fasse, qu'il puisse te faire connaître la volonté de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.